Ce programme vous est proposé avec le soutien de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bonjour Dominique Moukili, vous êtes président de Femmes 3000 Bouches-du-Rhône. Vous êtes sur ce salon des entrepreneurs, vous venez chaque année ? Tout à fait, c'est un rituel pour moi de venir chaque année y rencontrer mes contacts, assister aux ateliers et voir prendre la température de septembre. Femmes 3000 dans les Bouches-du-Rhône, ça s'adresse plutôt à des femmes chefs d'entreprise, à des femmes managers, à toutes les femmes. Finalement, il y a plein de réseaux et est-ce qu'on ne s'y perd pas dans les cibles ? C'est une excellente question. D'ailleurs, nous travaillons chez Femmes 3000 au niveau de la fédération, parce que Femmes 3000, c'est tout d'abord une fédération, pour justement retravailler sur l'ADN de Femmes 3000 et pour bien cibler notre identité. Alors, globalement, chez Femmes 3000, on n'a pas besoin d'être chef d'entreprise, on n'a pas besoin d'être salarié. Effectivement, c'est ouvert à toutes les femmes, femmes actives principalement. Qu'est-ce qui va se passer au mois de novembre à votre initiative, Dominique Moukili, justement sur ces réseaux féminins et notamment les Femmes 3000? Alors, ce qui va se passer au mois de novembre? Alors d'abord, Femmes 3000, c'est un réseau mixte. Hein, je tiens à le préciser quand même si la population masculine est quand même très minoritaire, pour une fois. Donc, ce qui se passe au mois de novembre, nous avons prévu de faire une soirée qu'on a appelée pour l'instant « Les réseaux font leur show ». Qui va réunir 7 réseaux du 13, voilà, des réseaux féminins principalement. Et nous avons décidé de faire cette soirée pour que tous les réseaux connaissent les autres. Parce qu'on a beau être pas loin, on a beau toutes se connaître, on a beau tous se connaître entre adhérents, de temps en temps on ne sait pas trop bien qui est où, etc. Donc on a décidé de faire cette soirée. Et on est en train de la préparer ardemment. Dominique Moukili, les actions de Femmes 3000 Bouches-du-Rhône durant cette année 2017, j'imagine qu'il y a eu des beaux rendez-vous. Il y a toujours de beaux rendez-vous avec Femmes 3000. Alors le principe, c'est d'essayer de trouver des sujets qui collent à l'actualité, quelquefois plus ou moins, et de faire plaisir aux adhérentes. Donc on essaie de trouver des sujets variés. Nous avons fait une très belle soirée au mois de février sur « Il est où l'art ? Il est où ?» Les femmes et l'art, donc chez notre partenaire Société Générale, et où nous avons affiché une douzaine d'artistes, et qui a été très 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 plébiscité. Donc voilà, c'était un très bon moment entre nous. Et puis nous avons des actions diverses. On a fait aussi un dîner avec une chef d'entreprise de la région pour la mettre un petit peu en lumière. Notre objectif chez Femmes 3000, c'est de mettre les femmes en lumière et de lutter contre le stéréotype des genres. Voilà. Merci Dominique.